que j'ai développées ce matin sont de plusieurs ordres. D'abord, je suis Babou Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à avril 2011. On ne juge pas un ancien président de la République n'importe comment et devant n'importe quelle juridiction. Il y a une procédure pour mettre en cause et pour juger un ancien président de la République et les présidents d'institutions. C'est une loi de 2005. Deuxième argument, j'ai fait valoir que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé ma réinscription sur la lutte, sur la liste électorale. Troisième argumentation, je ne les cite pas par ordre d'importance, mais comme ça me vient, je ne sais pas pourquoi on m'a jugé. Personne ne m'a convoqué. Parce que pour qu'il y ait un procès, l'accusé est convoqué. On lui remet une convocation. Là où il réside. Or, tout le monde, dans le monde entier, tout l'univers, sait où je résidais au moment de ce procès. Je résidais à ce pays où on m'a amené avec un avion présidentiel, Grumman 3. On m'a amené là-bas. Ils savent quand ils m'ont déposé, où ils m'ont déposé, à qui ils m'ont remis. Donc tout le monde savait où j'étais.